rencontré un instit qui faisait des échecs aussi, on a discuté. Et il m'a dit, bah, ce soir, tu viens dans ma classe, je vais te montrer ce que je fais avec mes petits CP. Et il m'avait expliqué les échecs et tout. Et vraiment, je sentais la passion. Et il m'a retransmis la passion. Voilà, il a transmis la passion. Et quand je suis sorti de sa salle, je me suis dit, un jour où je m'installe dans une école, eh ben, j'installerai les échecs. Et je suis arrivé à Pasteur et j'ai commencé à proposer à midi. Et puis depuis 20 ans, bah, à Pasteur, j'ai entre 20 et 30 mômes un midi par semaine. Et puis le club s'est greffé 6 mois après. J'ai mis en place une méthode avec Christophe. Il est animateur échecs dans tout le département, dans les écoles, dans les collèges, dans les clubs. C'est son métier. Et puis, une amitié est née, et puis on a commencé à échanger de nos pratiques, de ce que je faisais moi à l'école, de ce qu'il faisait lui dans les écoles et dans les collèges. Et puis on a, avec un prof de maths qui est parti, qui s'appelait Guillaume François, qui était au Vieux-Chêne avant, qui est prof de maths au collège du Vieux-Chêne, on a créé une méthode de 20 séances où on utilise le jeu d'échecs pour aller vers les compétences transversales et mathématiques pour les enfants. Et avec cette méthodologie, eh ben les enfants, ils apprennent à déplacer les pièces. Donc le but du jeu de cette méthodologie, c'est pas de faire des joueurs d'échecs, mais c'est surtout d'utiliser le jeu d'échecs avec tout ce que ça apporte au niveau richesse, quoi.